Donc aujourd'hui, on va te parler de la solution du BIM exploitation. Le BIM exploitation, en fait, c'est l'usage de la maquette BIM qu'on construit lors de la réalisation du bâtiment. Cette maquette BIM, on la fait vivre après la réception du bâtiment en y ajoutant des briques, des plugins qui vont permettre de pouvoir la faire vivre. Donc par exemple, j'évoquais, on peut y ajouter des plans 2D, on peut y ajouter une connexion avec des équipements. Et ces briques vont permettre en fait de vivre le bâtiment, de pouvoir l'utiliser. Concrètement, je vais prendre un exemple pour pouvoir qui va parler avec tout le monde. Un technicien, par exemple, aujourd'hui qui est équipé d'une tablette avec la réalité augmentée, va pouvoir se diriger dans le bâtiment, repérer une panne plus rapidement, voir à travers un faux plafond ou sous un faux plancher où se situe une vanne ou un raccord technique. Et donc, il va pouvoir intervenir plus rapidement et d'une manière plus sûre, parce qu'en fonction de l'endroit où il va pouvoir également être associé à une fiche sécurité, une fiche d'intervention. Et au final, l'innovation, ça veut dire. C'est la technologie de la réalité augmentée va permettre de faire gagner du temps, va permettre de gagner en ergonomie, en sécurité. Et au final, comme le bâtiment est mieux maintenu, ben en fait, on va valoriser son actif d'une manière financière. L'actif immobilier se déprécie moins, on va dire. Elle est spécifique à tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, donc des properties, des foncières. Tout gestionnaire des bâtiments a un intérêt à avoir un bâtiment qui soit géré en BIM. Parce que ça va lui permettre de valoriser son actif immobilier. Aujourd'hui, l'innovation, c'est d'avoir aggloméré beaucoup de briques qui sont existantes. Hein, l'innovation en tant que telle, je pense, elle est difficile à créer. Mais l'innovation, ça va être vraiment pour la qualité d'usage du bâtiment, pour la qualité de la pérennité du bâti, c'est d'avoir aggloméré plein de briques existantes qui vont permettre en fait d'avoir cette exploitation plus sûre du bâtiment. Bah, aujourd'hui, avec des innovations comme ça et avec une méthodologie de travail comme ça, je pense que ça ne peut qu'attirer les jeunes. Un technicien qui se balade dans un bâtiment avec un casque HoloLens ou une tablette avec la réalité augmentée, c'est différent que d'avoir le bleu de travail à l'ancienne. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, les méthodes de maintenance, notre travail, c'est adapté aux demandes du futur. Et je pense que ça peut correspondre vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui. Et en plus, on a plein de postes à pourvoir et l'entreprise est sympa. Voilà.